俺が全中が最強の男オーブだ。最強の男が生きる軍勢も最強だ。この俺を止める者など天下に存在せぬ。貴様の頭はこの毛布自ら叩き潰す。この毛布軍は無敵である。Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Il n'y a pas de review du chapitre 790 de Kingdom parce que Ara est en pause. On va lui souhaiter tous ensemble les frérots un bon repos, qu'il se repose correctement pour nous faire un chapitre 790 mortel, masterclass, tout ce que vous voulez. Quand les auteurs se reposent, je le répète, je ne cesserai de le répéter, c'est une bonne nouvelle. Oui, on doit tous être contents pour Yasuhisa Arasama. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet kingdomien, mais un petit peu plus généraliste. J'aime bien faire ce genre de petites vidéos où je discute, j'échange un petit peu avec vous comme ça. Je vous livre un peu mon avis. Ça me permet de faire des vidéos différentes sur la chaîne et ça me permet de vous livrer, on va dire, mon avis sur des sujets... Voilà, alors ça reste kingdomien, mais on va quand même aborder des... on va quand même aborder d'autres points, d'autres éléments de la mangasphère. Des frérots m'ont envoyé un tweet, alors maintenant ça s'appelle X, mais bref, m'ont envoyé un tweet du Mon Corvo. Le Mon Corvo, vous les connaissez bien évidemment, youtubeur One Piece, les plus gros youtubeurs One Piece. Alors si on compte Chef Otaku, mais bon Chef Otaku c'est pas vraiment un youtubeur One Piece, il est plus généraliste, mais bref, on va dire que ce sont les plus gros youtubeurs One Piece. Ils ont une influence qui est très conséquente dans le One Piece game, ils sont vraiment très connus, ils portent une grande responsabilité, on va dire, dans le succès actuel de One Piece en France. J'ai bien dit une responsabilité, ce ne sont pas eux les vecteurs les plus importants du succès de One Piece, hein. Évidemment, c'est Oda et son œuvre, mais ils en portent une partie de la responsabilité parce que ils influencent tellement, ils sont tellement présents, ils communiquent tellement que forcément, ils forcent des personnes à s'intéresser à One Piece, et c'est une bonne chose, évidemment. Du moins, ils ont une énorme influence dans l'univers One Piece. Ça, c'est clair, net et précis. Eh bien, le Mon Corvo s'attaque à Kingdom, les frérots. Et oui, j'ai vu ça, et je me suis dit, waouh, c'est quand même une grande nouvelle qu'un YouTuber, ils ont plus de 800 000 ou 900 000 abonnés, bientôt le million, d'accord, et c'est tout le mal que je leur souhaite, c'est d'avoir le million. Et ben c'est quand même une grande nouvelle que des youtubeurs aussi connus s'attaquent à Kingdom, parce qu'on peut se le dire, Kingdom c'est une œuvre un peu de niche. Clairement, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs Kingdom, on n'est pas beaucoup. Moi je regarde, je vois quelques vidéos qui passent de temps en temps dans mon fil d'actualité, mais je ne les regarde pas trop parce que, attention, spoil historique, moi j'ai pas envie de me faire spoiler, vous voyez. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs Kingdom, la communauté n'est pas non plus énorme, la communauté Kingdom. C'est un peu une communauté, on est un peu entre nous, on peut se le dire. On est un peu entre nous, on est là, moi je fais mes petites vidéos, Fumigène H, allez hop, review du futur, machin. Disons qu'il n'y a pas vraiment de structure, on peut se le dire, clairement les frérots. Mais la communauté Kingdom, elle a quelque chose pour elle, c'est que, à mes yeux, c'est la meilleure communauté du manga game. Et je ne le dis pas parce que Kingdom est ce qui fonctionne le mieux sur ma chaîne, non, je le pense sincèrement, la communauté Kingdom, c'est la communauté la plus nuancée, la plus juste que j'ai pu connaître, en tout cas dans le manga game. Je compare avec la communauté One Piece et même la communauté SNK, ça n'a rien à voir. SNK, ils sont capables d'aller insulter une fille qui double la voix d'une autre fille juste parce qu'elle a tué leur personnage préféré. La communauté One Piece, ils sont capables de faire un débat pendant 6 mois sur est-ce que Shanks est plus fort que Mihawk ou est-ce que Mihawk est plus fort que Shanks. Et si t'es pas d'accord avec l'un ou l'autre, ils vont te faire des menaces de mort. Donc, on est bien d'accord, la communauté Kingdom n'est pas du tout dans ce délire-là. Donc, clairement, on est sur la, selon moi, la meilleure communauté du manga game. Moi, j'ai fait des trucs sur Kingdom, des fois qui pouvaient même être considérés comme un peu des manques de respect de l'œuvre. T'as quelques mecs en zone commentaire, des fois, qui m'ont dit « Ouais, non, Fumi, tu dis ça, mais nanana. » Mais au global, les gens comprennent bien que c'est de la blague,
Moi, je fais des blagues, je suis comme ça, c'est mon naturel, ok. Et les gens apprécient quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et même tous les débats que j'ai pu avoir avec des frérots sur Kingdom, ça se finit toujours bien. À la fin, on se tape toujours dans la main. On n'est pas d'accord. Attention, je te dis pas que... Je vous dis pas que c'est une communauté de bisounours, non. Je vous dis juste que c'est une communauté qui a de l'honneur. Clairement et simplement. Donc, le Mont Corvo s'attaque à Kingdom. Alors, ils n'ont pas spécifié s'ils allaient faire arc par arc et tout, d'après ce que j'ai pu voir sur le tweet, ou est-ce qu'ils allaient faire des reviews de chapitres. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont faire des analyses Kingdom. Ok ? Alors, il y a des éléments, selon moi, négatifs à cette nouvelle, et il y a des éléments positifs. On va commencer par le négatif et finir par le positif, parce que moi, je suis quelqu'un de très positif et j'aime bien voir le verre à moitié plein. Et oui. Le premier élément négatif, selon moi, c'est que lorsqu'un YouTuber de cette puissance s'attaque à une œuvre, ils vont monter la notoriété de l'œuvre. Par conséquent, ils vont attirer des nouveaux fans. Ils vont attirer beaucoup de fans. D'accord ? Certains me diront, bah, c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai. Mais quand une communauté grandit fortement, elle attire des fans, mais elle attire aussi des fanboys. Elle attire aussi des kikou. Et oui, donc elle va attirer des personnes qui n'auront pas d'autre but que de polluer le débat. Ok ? Comme si tu prends One Piece, le débat, des fois, est pollué. Je veux dire, l'œuvre One Piece, c'est une œuvre qui est riche, d'une richesse incroyable, et des fois, je vois sur mon fil d'actualité, moi, je regarde les vidéos de Jeufonce sur One Piece, parce que Jeufonce, c'est mon pote, moi, je regarde les vidéos de Jeufonce, ok ? Et je vois les débats, et je me dis, putain, sur un tel chapitre, ce qui va arrêter tous les débats, c'est est-ce que les amiraux sont plus forts que les Yonko, etc. Alors que derrière, il y a tellement d'autres choses à raconter sur One Piece. Donc, le débat est un peu pollué, parfois. Alors, attention, t'as des YouTubers One Piece qui... se laissent pas, on va dire, voilà, qu'ils ne prennent pas le train de la hype et ils débattent sur ce qui les intéresse, etc. Mais au global, dans la majorité, les débats sont très souvent des débats de puissance. Et moi, j'adore les débats de puissance, attention, mais quand c'est que ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc le débat, des fois, est un petit peu pollué. Et je prends l'exemple aussi d'SNK, c'est la même chose. Ou même d'autres communautés. Hein. Moi, Jojo, attention, moi, je dois beaucoup à la communauté Jojo, je dois beaucoup à l'œuvre Jojo. Mais, il faut dire la vérité, il y avait des débats, des fois, tu te posais la question, ils sortent d'où, en fait, ce genre de débat? Le genre de débat où, par exemple, on te dit, on t'invente une nouvelle règle. Ils adoraient faire ça, la communauté Jojo, c'est inventer des nouvelles règles. Donc, bref, la communauté Jojo aussi avait son lot de débats, des fois, inutiles, avec des pouvoirs inventés, qui étaient clairement inventés, qui ne sortaient d'aucun manga, et quand toi, tu allais à l'encontre de ça, avec les pages du manga, tu te faisais insulter. Donc, moi, je sais ce que c'est, les communautés, des fois, qui sont un peu virulentes, je sais ce que c'est. Donc, c'est ça, le gros point négatif, c'est que lorsque tu vas monter le nombre de fans de Kingdom, tu vas attirer des personnes qui, des fois, ont une vision, qui auront une vision de l'œuvre qui est tellement bizarre. Ils auront des personnages préférés, et dès que toi, tu vas dire un truc sur son personnage préféré, le gars, il va te maudire jusqu'en enfer, il va te poursuivre. Et ils vont polluer le débat, ok ? C'est clair, net et précis, hein, je vous le dis, ça, c'est comme ça que ça arrivera, clairement et simplement. Quand il y aura beaucoup, 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 beaucoup de fans, je parle, attention, hein, évidemment. C'est le gros point négatif, mais c'est pas de leur faute au Mont Corvo. Ils ont une énorme communauté, donc forcément, ils vont faire de la lumière à Kingdom, donc c'est, en vrai, c'est pas de leur faute, je suis pas en train de vous dire que c'est de leur faute. Mais c'est comme ça que ça va se passer, clairement et simplement. Le point positif dans tout ça, les points positifs dans tout ça, ils sont nombreux. On peut se le dire, ils sont nombreux, les frérots. Premier point positif, c'est la notoriété de l'œuvre. Très clairement, Kingdom va avoir une forte notoriété, parce que le Mont Corvo, eux, ils vont faire des 50, 100, 200K, je sais pas combien de vues ils feront, mais forcément, il y a plein de personnes qui ne connaissaient pas Kingdom qui vont dire « Waouh !» et qui vont donc s'intéresser à Kingdom. Ce qui fait, quand tu dis « hausse de notoriété », derrière, on peut se dire que derrière, il va forcément y avoir, peut-être de la part de Meian, des opérations commerciales, multiplier peut-être les modes de communication, ils vont augmenter peut-être leur budget communication sur Kingdom, ils communiquent déjà bien, mais ils vont peut-être communiquer encore mieux, multiplier les partenariats, les choses comme ça, afin d'accompagner cette montée en puissance, je pense, Meian. Meian verra le truc, ils diront, bah c'est cool, clairement et simplement, donc tout ça c'est bien, ça peut faire vendre plus de mangas Kingdom, plus de produits dérivés, etc. Commercialement parlant, c'est une bonne affaire, évidemment, les frérots. Autre point positif, c'est également pour les youtubeurs. Bah oui, un youtubeur qui fait Kingdom comme moi, un petit youtubeur comme moi, le fait qu'il y ait plus de fans
plus de spectateurs, eh bien ça fait que potentiellement ma vidéo Kingdomienne s'adressera à un plus grand nombre de personnes. Ben oui, c'est logique, ils seront plus nombreux. Et oui les frérots, alors après attention, je te dis pas qu'ils vont tous kiffer mes vidéos, hein, parce que je peux comprendre, moi je comprends les frérots qui n'aiment pas mes vidéos Kingdom, je le dis clairement, parce que j'ai une façon de faire, j'ai une façon de traiter de l'œuvre qui est propre à moi. Et oui, je traite l'œuvre comme moi, c'est comme ça que je l'entends. Je ne veux pas entendre parler de spoil historique, clairement et simplement. Il y a beaucoup de personnes qui me le reprochent. Ouais, mais tu devrais t'intéresser à l'histoire de la Chine, je sais pas quoi. Hey, arrête frérot, moi je lis Kingdom comme une histoire pure, un manga, etc. Je veux pas qu'on me spoil et je veux faire des théories folles et c'est comme ça que je vais kiffer Kingdom. Clairement et simplement. J'ai ma façon de kiffer Kingdom, j'ai ma façon d'interpréter le manga Kingdom. Donc je peux comprendre que des personnes n'apprécient pas cette façon de faire parce que, bah, elle est, je le sais, elle est entre guillemets... unique sur la toile. Je ne vois pas d'autres youtubeurs faire comme moi, en tout cas. J'ai vu des gens, des fois, en zone commentaire, qui ne m'aiment pas, ils ne m'apprécient pas, clairement, pour des raisons diverses et variées. Mais il y a plein de personnes qui n'apprécient pas ma façon de faire sur le manga Kingdom, et ils vont ailleurs. Et ils ont bien raison, quand bien leur face. Moi, c'est ce que je dis, hein. Si tu n'aimes pas Fumigen, rien ne t'oblige à regarder la vidéo. Donc, les points positifs, c'est tout ça. Notoriété, hausse de la marque Kingdom au niveau français, bien évidemment, donc hausse de la communication de la part de Meian, hausse des ventes, hausse des spectateurs, hausse des vues, hausse de la communauté. Et oui, avec son lot de kikou, de fanboy, mais hausse de la communauté. Et par conséquent, hausse aussi du nombre de youtubeurs qui feront des vidéos Kingdom. Et oui, vous allez voir des youtubeurs popés comme ça, hop là, il s'est réveillé à 800 chapitres le mec. Salut les gars, je vais parler de Kingdom, j'ai toujours kiffé Kingdom. Vous aurez des gars comme ça, c'est obligé. Mais c'est bien, c'est le jeu. Plus il y aura de youtubeurs qui parleront de Kingdom, mieux c'est. Au final, parce que comme ça, l'influence sera encore plus grande. Vous aurez plein de youtubeurs Kingdom qui vont popper. Et oui, à 800 chapitres, c'est comme ça. Ça peut arriver. Ok ? Donc voilà les frérots. Voilà un petit peu, selon moi, les points positifs et négatifs. Au fait que le Mont Corvo s'attaque à faire des reviews Kingdom. Après, attention, le Mont Corvo aussi, c'est une entreprise. Hein. C'est une entreprise, les mecs. Hein. Ce sont des youtubeurs, mais c'est une entreprise. Donc, si ça fait pas de vues, moi, je vous dis tout de suite, je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils vont arrêter. Ils vont pas se prendre la tête. Hein. Clairement, parce qu'eux, ils ont une rentabilité. Ils recrutent des gens pour faire la vidéo. Si derrière, la vidéo ne rapporte pas plus que ce qu'ils ont payé au man, ça n'a pas d'intérêt. Ok ? Donc, clairement et simplement, il y a aussi, je pense, pour eux, un besoin de résultats sur Kingdom. Mais Kingdom a quand même un bon potentiel de vues sur YouTube, selon moi, surtout si le montage est vraiment, vraiment, vraiment poussé et le Mont Corvo, ils font des très bons montages. Moi, je fais pas de montage. Vous connaissez Fumigen. Voilà, on gagne du temps chez nous. J'en faisais un petit peu plus avant, mais moi, clairement, j'ai pas le temps. Je le dis clairement et simplement, les frérots qui me demandent des images, je me suis déjà pris des strikes, donc j'arrête. Et les gens qui me demandent, ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Eh, les frérots, j'ai pas le temps, clairement. Après, un jour, si ma chaîne explose, bah, peut-être que j'aurai les moyens d'embaucher un monteur. Et ça sera un plaisir pour moi de vous faire des vidéos Kingdom de meilleure qualité. Moi, j'essaye déjà d'avoir une bonne qualité visuelle et auditive. Voilà. Mais pour l'instant, je peux pas encore aller plus loin que ça. De mon côté, en tout cas. Donc, les frérots, bonne nouvelle au global que le Mont Corvo s'attaque à Kingdom. Mais attention, parce que, je le dis, il va y avoir des petits kikous, des petits fanboys qui vont arriver. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo courte, tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kingdom. まだ槍をもう少し見ておく必要があるな。もうすぐ、もうすぐ、もうすぐ、始発様の妹姫は、殺されたらしい。